Bonjour à tous, c'est TheLeader24 pour une nouvelle vidéo sur Ace Combat 7. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin reçu mon pack d'Ace Combat 7 Sky Unknown. Voilà, l'édition Strange Reel. Donc voilà, nous contenons donc le jeu en lui-même. Le petit Arsenal Bird. Et donc voilà, le F4E Ace Combat 5. Les emblèmes Wardog, Aquila, Garuda et Griffus, le thème dynamique, le F104 Avril, trois skins dont un pour le Sukhoi 37, le F14 et le F15C Pixie. Voilà, ainsi que Ace at War, vous voyez, artbook, 148 pages, un pin sans métal et enfin un Arsenal Bird. De à peu près, voilà, vous voyez, 40 cm pour 500 grammes. Alors, je passe tout de suite au déballage. C'est en plusieurs parties. Dézoom, vous voyez là. Ensuite, nous avons le colis en lui-même. Ici. On enlève et voilà. Le fameux Certificate of Authenticity avec un numéro, le 2067-3900. Voilà, un fantôme. L'emblème, vous voyez, UZA et OCA avec une description, sapin. Et on peut. Ouais, j'aurais presque cru qu'on voit. Enfin bon. Voilà, alors nous avons là dans un, voilà, vous voyez l'intérieur ici. Nous avons donc Ace at War en anglais. Voilà, vous voyez Sky Unknown Bandai Namco. Voilà, avec la première page, un article sur la princesse Rosa Cosette d'Élise. Voilà, en anglais, déjà c'est bien. Le jeu, vous voyez, Ace Combat 7 PlayStation VR. Voilà, affronter l'inconnu. Les sous-titres, attention, Parental Guidance. Et en dessous de tout ça, nous avons les pins. Vous voyez ici, il y en a plusieurs. Océa et Rusea, pendant une petite minute. Voilà, vous voyez le pins et Rusea. Voilà. OADF, donc Ocean Air Defense Forces. Le pins métal de Trigger. Voilà ici. Et là enfin, la notice pour mon. Enfin, là, l'Arsenal Bird. Voilà, qui est ici. Comme vous voyez, il fait. La vous voyez, là, il fait à peu près. Oui, je dézoome la taille de ma main, 20, 40, à peu près 40 cm comme ce qui était précisé ici. Donc, ça, ça va être le système, voilà, avec le système de fixation. Alors après, je ne sais pas si ça s'enlève ou pas. Pour l'instant, je le laisse par sécurité. Je pense, voilà, on enlève. Et on le pose, voilà, je le pose par terre. Et voilà, vous voyez l'Arsenal Bird de à peu près 40 cm. Vous voyez là, avec au-dessus, bon évidemment ils n'ont pas mis les armes, mais bon on est déjà bien content d'avoir le schéma. Les hélices, comme vous voyez,
ils peuvent bouger. Je ne rate pas la bonne hélice, moi aussi. Allez, ici, les hélices peuvent bouger. Voilà. Bon, voilà qui conclut cette vidéo du pack de Strange Real Days Combat Sky Unknown. Bon, ben maintenant on va passer aux choses sérieuses et donc au jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous inquiétez pas, le reste va bientôt suivre.